Sangkay, ngayon naman po, nandito kami sa Valley. Bibisitahin namin yung underground lake. Sasakay kami ng boat. So, nag-travel kami from Lucerne to Valley. It's almost 3 hours travel by car. So, nandito na po kami sa Valley. Ayan po mga sangkay, welcome to Lac Souterrain here in Saint Leonard. Janvier 18h32, on a eu un tremblement de terre dans le Valais, 6,1 de magnitude. Et ce tremblement de terre va ouvrir et élargir les fissures qu'on a dans le mur de droite et sous le ponton, ce qui va faire baisser les niveaux. Et pour cette raison, maintenant, on peut naviguer sur ce lac. Il fait pas du shit, c'est du schiste. Faut pas confondre. Toute la longueur droite, c'est le marbre, pierre de Saint-Léonard, calcaire. Ces deux roches, elles sont étanches à l'eau, permettent la retenue latérale des eaux. Ici, le secret, c'est cette roche blanche au centre, qu'on appelle le gypse. Elle a deux particularités, cette roche. D'abord, elle est poreuse, donc elle laisse passer l'eau. Mais surtout, si on la trempe dans l'eau, elle se dissout, comme le sel. Sauf qu'elle a besoin de plus de temps. Donc, pour comprendre le phénomène, au début, l'eau va creuser des cheminées dans le plafond, comme les deux ici. Il y a environ une quinzaine. Et ces cheminées vont jouer un rôle important puisqu'elles vont amener l'eau directement dans le fond de la grotte, ce qui va permettre à l'eau de stagner, puis de petit à petit éroder ce gypse. Mais on voit encore ce phénomène ici au plafond. Voilà, toutes les parties planes, c'est le travail de l'eau sur le gypse à l'époque où l'eau touchait le plafond. Pling, on saute. Voilà. Je suis le seul dans le temps.